voy a hacerlo en español entonces, ya que hemos hecho la entrevista en francés. Y para las lectoras y los lectores de La Monte Ibérique, pues gracias, gracias. Que tengo mucho agradecimiento y mucho amor que dar ahora mismo y muchas gracias si alguien está del otro lado para poder ver la película y para escuchar esta entrevista. Solo muchas gracias. C'est un peu compliqué de résumer le film puisqu'il y a vraiment beaucoup de matières et beaucoup de caps et beaucoup de dimensions. Mais c'est un film que j'ai fait dans le village où j'ai grandi, dans le sud de l'Espagne, et qui est parti d'une légende qui explique les débordements du fleuve qui la traverse à travers une légende qui dit que le fleuve déborde parce qu'il tombe amoureux d'une femme et comme il ne peut pas la voir, il s'enrage, il devient furieux et il rassemble tout avec lui. Cette légende qui m'ont bercé depuis que je suis toute petite et avec lesquelles j'ai grandi, qui m'ont fait me questionner plein de trucs par rapport à tout, au rôle de la femme, au rôle de l'homme, à la nature, etc. Donc on a écrit à partir de cette légende qui existe et qui est réelle, on a écrit une histoire de fiction qui a pour héroïne une jeune femme de 17 ans qui l'était précédente en orage, un nouvel débordement du fleuve. Commence à se questionner sur la possibilité que ça soit elle, une de ces femmes qui vont être emportées par l'eau. Franchement, c'est pas seulement une chose de nouvelle génération. Moi, ce qui me fascine beaucoup de la façon dont ce monde légendaire et cette façon de raconter cette littérature orale avec laquelle j'ai grandi, c'est qu'elle était vraiment complètement liée au quotidien. Enfin, la façon dont ma grand-mère me racontait toutes ces histoires, c'était en même temps qu'elle me parlait de qu'est-ce qu'on allait faire à manger ou qu'est-ce qu'on avait prévu pour la journée de lendemain. Enfin, vraiment, les fantômes se mélangeaient à la cuisine et se mélangeaient au travail ménager. Enfin, il n'y avait vraiment pas cette distinction. Et ce n'est pas un manque de croyance ou de respect. Moi, je pense que c'est juste une façon de voir le monde, justement, qui ne distingue pas les réels de fantastique. Et c'est ça qui m'a beaucoup fasciné, qui m'a beaucoup façonné aussi, je suis toute petite. Et c'est comme ça aussi que ça me paraissait normal de les montrer dans le film. Je ne pourrais pas savoir parce que je ne connais pas l'origine de la légende en soi. Ce qui est très étonnant, c'est que même pour les gens qui ne connaissent pas la légende, ou qui n'ont pas écouté à la maison, qui n'ont pas, enfin voilà, pour lesquels ça ne représente pas une histoire patrimoniale comme pour moi, tout le monde, tout de suite, les gens connectent. C'est quand même un élément basique pour la vie et pour la terre, en fait, et pour l'économie et pour plein de choses. Enfin, on ne peut pas vivre dans ces régions sans eau. Nulle part par ailleurs, non? Mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait que tout de suite, on connecte avec cet élément. Je laisse le mystère. Il y en a où? Il y a toujours des gens qui trouvent des preuves. Après, c'est un peu compliqué de prouver que les morts sont dus à ça. C'est une bonne question. Je ne sais pas s'ils sont à l'abandon, si le temps s'est arrêté, parce que en même temps, les mondes continuent à tourner pour tout le monde, enfin de partout, même si on ne le veut pas, même dans la périphérie. Il y a Internet, il y a des téléphones portables, les filles prennent des selfies, enfin vraiment tout ça aussi, la musique et techno. Enfin, mais je pense que pour moi, c'est plus un temps suspendu qu'un temps arrêté. Pour moi, ce qui était intéressant, c'était de raconter aussi ces moments où apparemment il n'y a rien qui se passe, il y a tout ce qui se passe, c'est la vie qui se passe. Et normalement, quand on écrit des scénarios, on nous dit non, il faut dessiner, qu'il faut avancer les actions, qu'il faut. Et du coup, tous ces moments en paix, ils font rien. Pour moi, c'était très important. Mais juste ces moments où on ne fait rien, parce qu'on fait beaucoup de choses quand on ne fait rien. Faire un film, c'est un gros risque. Vivre, c'est un gros risque. Du coup, si on commence à ne pas faire les choses parce que c'est un gros risque, bah, c'est ce qu'il dit le film aussi un peu. Il faut surmonter les peurs et puis faire, quoi. Du coup, oui, évidemment, c'était un gros risque, mais je pense que c'est aussi un gros risque de travailler avec des acteurs qui n'aiment pas ton film ou qui ne comprennent pas ce que tu veux dire. Et du coup, pour moi, c'était très important aussi de pouvoir travailler avec des gens qui venaient de là-bas. Et forcément, c'était des non-professionnels, du coup, on a essayé ces paris. Et puis, moi, ce que je me suis mise dans la tête, c'est qu'il fallait constituer une famille, quoi. Enfin, il fallait être ensemble. Il fallait, si ça n'existait pas, il fallait les créer. Donc, du coup, on a passé vraiment beaucoup de temps et c'était très beau. En fait, c'était pas du travail, c'était vraiment un plaisir de pouvoir être ensemble. Et puis,
apprendre à se connaître, à s'aimer, enfin voilà. Elle m'a pris pour une folle, je suis peut-être, mais évidemment, bah, c'est une jeune gamine de 17 ans, tout l'arrêt, enfin de 15 ans, elle avait 15 ans quand je l'ai rencontrée. Bah, enfin, t'attends pas que dans son bled paumé, il y a quelqu'un qui t'arrête pour faire un film, en fait. Mais comme j'étais très têtue, il est assez rafé qu'on se retrouve, on l'a rattrapé. Mais c'est, elle est un peu comme les personnages, elle est un peu fantomatique, elle est un peu... Plutôt moi qui suis venue. Non, moi c'était aussi un vieil rêve depuis le début du film, c'était de mélanger un peu ces deux mondes, de la même façon qu'on mélange les documentaires et la fiction et les fantastiques. Moi ça m'intéressait aussi de créer ce dialogue entre des gens qui ont une carrière, enfin voilà, Barbara qui est impressionnante, Nieve aussi qui ont une carrière de retrait avec une formation pour toutes les deux, beaucoup de travail et dans les théâtres et dans les cinémas, et dans la, enfin voilà, on peut rien ajouter sur elle qui n'a pas été dit avant. Et de confronter ça justement à des gens qui n'avaient jamais joué. Et du coup, pour moi, de cette musique et de ce dialogue, ça s'est créé en chose qui, moi, m'intéressait beaucoup à explorer. Et voilà, c'est ce qu'on a tenté. C'était très beau parce que bah, Luna, elle était très impressionnée parce que Barbara, c'est quelqu'un de très célèbre en Espagne, surtout. Et du coup, elle était très impressionnée au début, mais c'est vrai que tant Nieve que Barbara, ils ont été d'une douceur, d'un amour, d'une bienveillance envers tout le monde qui... Franchement, ça a été facile. Ouais, les derniers plans, ça a été comme une révélation. Les derniers plans, je les garde quand même sur mon cœur. Je ne peux pas en dire plus, mais voilà.